le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation envoie un courrier à tous les partis politiques en disant, je ne sais même pas, du 16 à combien de jours, je ne sais pas, qui vont passer dans les chefs des partis politiques pour contrôler. Je me suis posé la question, est-ce que au ministère de l'administration du territoire, on s'ennuie là-bas? Est-ce que ils veulent travailler? Parce que ça, c'est simple. Au lieu d'organiser les élections, il nous reste combien de mois? On est au mois de juin. Le contrat qui est signé avec la CEDEAO, l'élection doit être organisée à la fin de l'année. Au lieu d'être dans cette logique, on remplace les élus. On les remplace par les délégations spéciales. Ça veut dire que quelqu'un est élu dans une commune, au lieu d'organiser les élections pour le remplacer, comme dit la loi, tu quittes, tu prends tes amis, des gens que tu aimes, tu les mets à la tête des délégations spéciales. L'État est une continuité. Toi, tu es mis en charge du territoire. Même si celui qui a quitté est condamné, toi aussi tu es condamné, mais l'administration, c'est l'administration. Celui qui a quitté est condamné. Toi, tu deviens, tu es condamné. D'accord, ça, c'est pas grave. Si on a décidé de faire ministère d'administration du territoire, ministère de condamné, c'est pas grave. Mais lui, il a déjà fait cette tournée. Il a un rapport. Il est passé, il a un rapport. Bon sang. Prends ce rapport-là, utilise-le. Mais tu mets ce rapport à côté et tu dis, moi aussi je vais passer. C'est toi qui donnes les agréments. Un parti politique ne peut pas, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire, voilà mon parti politique. Pour avoir un parti politique, il est obligé de faire la demande. Il est obligé d'envoyer les statuts. Il est obligé de te dire là où il y a son siège. Il est obligé de donner la composition au moins de son bureau. Il est obligé de te dire ce qu'il a comme logo. Il est obligé de te dire voilà mon parti, voilà mes statuts, voilà tout et tout. Après toi, en tant que ministre de l'administration de toi, tu donnes un agrément. Il sait ça. Et puis un beau jour comme ça, tu te lèves, tu dis parti égale à parti, moi je vais aller contrôler le parti. Mais quand tu viens à l'UFDG, tu viens chercher quoi? Quand tu viens dans un parti comme l'UFDG, qui a participé à toutes les élections, qui est connu, qui fait l'AG, qui a son siège, qui a son bureau, le président s'appelle Selou, qui a gagné toutes les élections, toi, tu veux venir pour savoir là où est notre siège, là. Monsieur le vice-président, pardon, c'est ici, non? Notre siège. Notre siège, c'est ici. Notre bureau, c'est à CBG. Monsieur le vice-président, chargé des affaires politiques, prenez toutes les dispositions pour recevoir la délégation du ministère de l'administration du territoire. Non, ils sont déjà venus. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à venir dire qu'il faut les recevoir. Parce qu'ils veulent connaître, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'ils veulent mettre leur fichier à jour. Le fichier n'est pas à jour. Là où ils sont là, ils ne connaissent pas le nom de parti politique. Ils ne connaissent pas là où il y a le chef des partis politiques. Au lieu de chercher ça, ils veulent passer par nous pour nous emmener, pour dire, ils n'ont pas. Si tu as ça là, tu n'as pas besoin d'aller chez tous les partis politiques. Si tu as des doutes sur un parti politique, tu vas au chef du parti politique. Et puis ça, tu ne fais pas de communiquer. Tu ne fais pas de... C'est-à-dire, les partis politiques ont pour tutelle le ministère de l'administration du territoire. Bon sang. Vous avez le droit de visiter n'importe quel parti politique. Vous n'avez pas besoin de faire de communiquer. C'est tout. Vous en faites comme si c'était un événement. Ce n'est pas un événement. Vous êtes déjà passé une fois, passé deux fois. Maintenant, si le fichier n'est pas à jour, vous voulez mettre le fichier à jour? Parce que je ne sais pas si c'est bien tenu. Parce que si le fichier est bien tenu, le ministère de l'administration du territoire doit connaître le siège de chaque parti politique. Ça, c'est le minimum.